mode, bah oui, mais si dans 10 ans j'en ai besoin, je vais regretter ce moment où je l'ai jeté. Donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent dans mon appartement et particulièrement dans ma chambre depuis que je suis en coloc, je suis obligée de me restreindre. Voilà, mais après, pour ce qui est des souvenirs, pour moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir des objets pour ça, parce que je sais que les objets, comme je suis bordélique, je peux les perdre à n'importe quel moment. Et du coup, ça me brise le cœur quand je l'associe à un souvenir. Donc j'essaye de dissocier les deux, et en fait les souvenirs je m'y accroche vraiment par la parole, donc en racontant beaucoup les souvenirs, parce que pour moi c'est super important, et sans tes souvenirs t'es pas toi-même, donc voilà. Finalement on revient à la tradition orale avec toi. Voilà. C'est ça. On a l'archéologie. Ou par l'écrit, tu vois, mais vraiment pas les objets quoi. Par contre, et c'est pas un objet, mais moi c'est un truc qui me fait trop mal quand je les perds ou quand je dois les supprimer, c'est les conversations sur téléphone quand elles deviennent trop grosses et qu'il faut les supprimer. Ça me prise le cœur. Je le fais jamais, je change de portable. Mais ouais, ou en vrai, j'ai jamais eu à supprimer de conversation. Moi aussi, je peux te dire. Mais en plus, c'est bête parce que tu les au début, peut-être tu les relis, mais au bout de 3 mois, tu les relis plus jamais. Non, moi, je les relis assez régulièrement. Ah ouais, t'es un accro aux mots, en fait. Bah oui, 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 moi, j'aime beaucoup la communication écrite. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite conversation. On va tout de suite écouter Upside Down de Diana Ross, si tout va bien.
Big Up Radio. Vous voulez connaître toute l'actu du 12e arrondissement? Retrouvez du lundi au vendredi votre nouveau rendez-vous, le 12 en 2 heures. De 16h à 18h, toute la vie du 12e en direct avec vous. Infos, météo, trafic, bons plans, reportages, invités et vos coups de cœur du 12e arrondissement. Le 12 en 2 heures, du lundi au vendredi, 16h-18h, en direct sur Hugop Radio. La radio du 12e. C'était Upside Down de Diana Ross et on se retrouve tout de suite avec Adèle qui va nous parler d'un photographe qui est venu nous rendre visite à Hugop il n'y a pas si longtemps et on va ensuite parler du Grand Contrôle qui sont nos grands amis et qui organisent un événement très sympa dans pas très longtemps. Nos meilleurs potes. Donc tout d'abord, je vais vous parler un peu de Gaëtan Hachette qui est un photographe et qui propose une sortie photo sur la petite ceinture du 12e arrondissement. Pour résumer son projet, il explique « D'un parcours de 1,67 km, le tronçon du 12e arrondissement a vu circuler des trains de passagers et de marchandises. Je vous propose une sortie photo sur ce tracé pour faire des prises de vue de ce lieu naturel préservé au cœur de Paris, pour le découvrir ou le redécouvrir autrement. » Donc voilà, c'est un photographe qui prend des photos du 12e arrondissement. Jusqu'en juin, il propose régulièrement des sorties qui sont réservables si vous allez notamment sur le site de la mairie de Paris. Et n'hésitez pas à aller le voir. Mais le mieux, c'est encore de lui laisser la parole et de lui laisser nous dire ce que lui, il a à nous dire sur son projet. Et donc, je lui laisse la parole, tout simplement. Du coup, apparemment non, en fait. Mais ce sera pour une prochaine fois, ce qui n'est pas un problème. Et de toute manière, n'hésitez pas à aller chercher plus d'informations sur le site de la mairie du 12e arrondissement. Mais donc, pour passer à la suite de l'agenda, je vais vous parler du Grand Contrôle, qui est vraiment notre ami de toujours au sein du 12e arrondissement. Donc, le Grand Contrôle, pour rappeler, c'est juste rappeler, c'est un lieu alternatif, un peu comme la recyclerie ou la cité fertile, construit dans un ancien hangar de la SNCF. Et en ce moment, on est en plein dans leur événement sur la valorisation des contre-cultures. Et ce 24 et 26 février, à l'honneur, il y aura le skateboard, avec l'événement est intitulé « Skateboard is not a crime ». Au programme, il y aura des projections, des rencontres et même un atelier d'initiation au skate le dimanche. Attention, il faut s'inscrire. Mais le 25 février, donc, on aura aussi « In Punk We Trust ». Donc là, ce sera sur la contre-culture du punk, avec pareil, des rencontres, des lives avec des artistes, des DJ sets. Et une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, on voudrait laisser la parole à Théophile du Grand Contrôle. Donc Théophile, c'est celui qui notamment est chargé de programmation et qui nous explique un peu ce qu'ils ont voulu faire avec cet événement et leur présentation des contre-cultures. Alors bonjour Théophile Delcros. Bonjour. Tu travailles au Grand Contrôle et actuellement tu travailles sur l'événement des contre-cultures qui est organisé au Grand Contrôle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et te présenter? Ouais. Moi je m'occupe de la programmation à Grand Contrôle et là cette année on a décidé du coup de fonctionner par des thématiques trimestrielles. Mmh. Et donc le premier trimestre on le dédie aux contre-cultures. Okay. Donc c'est de début février jusqu'à fin avril. Ouais. Et on a décidé de faire des focus sur différents courants de contre-culture pour un peu les décrypter sous tous les aspects. Et donc on a le punk, on a le mouvement hippie, on a le hip-hop, on a les free parties, le voguing, le skate. Ouais. Voilà, y a beaucoup de choses. Et donc en fait on a des temps forts tout le long du trimestre et après des petits événements aussi qui viennent se rajouter tout au long des 3 mois. Ok. Et comment est venue l'idée de mettre en place cette programmation? Bonne question. D'où est-ce que c'est parti, si t'es au courant? Ouais. D'où est-ce que c'est parti? Nous, on fonctionne on se réunit un petit peu avec les équipes de programmation, la direction, l'équipe de communication, mmh. et on réfléchit un peu tous ensemble ouais. sur ces sujets-là. Et c'est ma collègue Virginie en programmation. Qui ça faisait longtemps qu'elle avait en tête de faire une journée dédiée à la culture punk. Ouais. Et on est parti de cette idée-là et au fait on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas finalement tout un trimestre sur les contre-cultures et du coup pas uniquement le punk mais aller travailler sur toutes les autres contre-cultures qu'on souhaitait aborder. Et donc au fait c'est parti de là. C'est et pas ça a fini par durer 3 mois. c'est assez impressionnant. Qui sont les intervenants dans tous les événements. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le hip-hop.
et les événements LGBTQIA+, et électro. Mmh. Donc, par exemple, dans ces trois événements, qui sont les intervenants qui te marquent le plus ou avec qui tu as échangé Alors, le hip-hop, c'est... pour le coup, on va avoir deux tables rondes. Une sur l'esthétique et une un petit peu plus générale sur l'histoire de cette contre-culture-là. C'est pas moi... précisément, pour être franc, qui me suis occupé de cette programmation-là, c'est ma collègue Virginie, mais je sais qu'il y a un beau panel d'invités avec des membres d'Assassins, avec l'ABCDR du son. La journaliste, c'est Yasmina Bembekay qui fait la modération. Mm-hmm. Et sur les deux tables rondes, il y a des bons panels d'invités. Et puis après, on a du coup un showcase de Benjamin Epps qui va venir avec son concept Bellevue Expérience que j'ai découvert du coup là récemment. Et donc, c'est un concept entre musique et gastronomie gabonaise. Ok. Donc, ça va être assez intéressant. C'est très intéressant, ouais. Ça. Ouais, okay. Ça va être chouette. Ok, très bien. Et du coup, le temps fort LGBTQIA+, on va avoir notre fameux drag show Blue Velvet, ouais. Le vendredi soir. Le samedi, c'est une journée dédiée à la culture ballroom. Mmh. Donc on est en train de travailler dessus avec Léo, du coup, qui est en charge chez nous de la programmation du drag show. Mmh. Donc là, c'est en cours de construction, mais il y aura évidemment du coup un show de voguing et on aimerait bien quand même travailler cette culture ballroom sous plein d'aspects différents. Donc pas que de la danse et la musique, mais voilà, sur plein d'autres angles. Et le dimanche, on va faire un grand marché, enfin deux gros marchés du coup avec Daisy et Julien qui ont leur boutique aussi chez nous. Et c'est un gros marché spécial LGBT, créateur LGBTQIA+. Ah, il y aura quoi, par exemple? Sans spoiler tout non plus. Je t'avoue que je n'ai pas encore la liste. Okay. C'est vraiment c'est leur marché qui monte et du coup, généralement, ils le travaillent de leur côté et on a les infos un peu plus tard. Mais là, on ne devrait pas tarder à avoir des petites exclus. Très bien. C'est un marché avec... des créateurs LGBTQIA+, donc pour mettre en valeur le travail des personnes LGBTQIA+, ou c'est des créations vraiment elles-mêmes propres à la culture LGBT? On a les deux, du coup. Les deux? Ouais. Ok. L'idée, c'est de mettre en avant tous les acteurs et actrices qui expriment leur créativité sur ces sujets-là, et donc ils peuvent être eux-mêmes concernés par le sujet. Ou alors être simplement inspirés et mettre en avant différents aspects. Ok. Ouais. Ok. Donc c'est encore vague dit comme ça. Oui. Non mais c'est normal. Mais ça va se concrétiser et puis. Ouais. On sortira les infos bientôt. Ok. Ouais. Très bien. Et j'ai vu qu'il y avait des DJ sets des fois. Mm-hmm. Comment ça se passe? J'ai vu que ça finissait relativement tôt, enfin pas très tard pour des DJ sets. L'entrée est gratuite. Toujours gratuite. Et comment vous organisez pour ça, pour les DJ sets qui sont les artistes? Oui, ça se finit pas très tard, mais ça, c'est le lieu qui veut ça. Mmh. On a des contraintes de voisinage. Oui, c'est normal. En plus, dans le 12e, le voisinage aime bien être tranquille. On a de la chance d'être en plein milieu du 12e, mais du coup, des petites contraintes. Mais les DJ sets, ouais, bah du coup, en fait, nous, on a nos DJ sets, on a tout un panel de DJ résidents qui viennent du coup régulièrement mixer dans l'avion. Et là, sur cette thématique plus précisément, on a des DJ qui viennent pour l'occasion. Donc, sur la journée hip-hop, c'est DJ Fab, qui est quand même un DJ iconique du hip-hop, qui va venir. Si je pense à le premier temps fort qu'on a fait sur les free parties, qui était là début février, on a eu les Spiral Tribe, qui est l'un des premiers sound systems de Free Party, qui est venu mixer. Donc, un père et son fils, c'était drôle. c'était chouette. Donc voilà, en fait, là, on a décidé d'aller chercher des DJ vraiment représentatifs des différentes contre-cultures qu'on souhaite mettre en avant. Ouais. Ok. Ok, bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et donc, c'est du 4 février, c'était du 4 février et ce sera jusqu'au 22 avril. C'est ça. Au Ground Control, c'est Underground Control pour ça. Les contre-cultures, bien joué. Et voilà, donc on vous y attend tous nombreux. Bah ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Donc merci beaucoup à Julie, notre journaliste qui a mené l'interview.
Et un grand merci aussi à Théophile, donc le chargé de programmation au Grain de Contrôle, qui a accepté de répondre à nos questions. Et donc, moi, j'ai une toute petite question pour toi, très rapidement. Je sais que moi, les marchés drag, je vais trop avoir envie d'y aller. Mais Noémie, toi, qu'est-ce qui te tente le plus comme contre-culture à aller explorer au Grain de Contrôle? Moi, il y a deux trucs. Les spectacles de voguing, j'ai jamais vu ça. Enfin, dans la vraie vie, quoi. Enfin, pareil. Donc, c'est vrai que ça m'intrigue un peu comme truc. Et sinon, rien à voir, le skate. Je n'ai jamais réussi à faire le skate de ma vie. Je me suis pété la gueule. Moi, je n'ai jamais réussi à rester debout, immobile sur une planche, tu vois. Même ça, je ne sais pas faire. Donc, franchement, je pense que je pourrais me laisser tenter par ça. Et bah, dimanche matin, il y a atelier d'initiation au skate, 5€ sur réservation. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Noémie? Il me reste à réserver sur le site grandcontrôleparis.fr pour avoir toutes les informations. Et on écoute tout de suite I Wanna See Some Ass de Jack Harlow sur Hugop Radio. Just made another one, baby. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast. Till she hit that gas. So rock in the puff, puff pass. Now the whole squad getting fucked up fast. She said, Jay, where you been at? On the road, but I just got back. And I'm still fly than a bitch. And your boyfriend, well, he just not that. And I don't know how to behave. I'ma tell her be safe. I don't need a pussy, I'ma tell her be safe. I got God with me and he's telling me things. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast. Till she hit that gas. So rock in the puff, puff pass. Now the whole squad getting fucked up ass. Oof, I'm just trying to see some. I ain't gotta say it cause they know where we from. I got some money out the ATM, but I'm gonna keep some. Strip club pre-cum. All for the liquor, fell in love with a stripper. Now I'm asking her where she from. As if we gonna be some. I wanna be some. Take my number down, you can hit me if you need some. Says she got three sons. Do you want four? Cause I need one. Do you got horse? Cause I beat one. Going all night like the reruns. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast. Till she hit that gas. So rock in the puff, puff pass. Now the whole squad getting fucked up ass. C'était I Wanna See Some Ass de Jack Harlow et on se retrouve pour un petit quiz en compagnie de Carla qui représente l'association La Chorba. C'est une association laïque et humanitaire qui propose parmi plein de choses des distributions de repas chauds. Et à cette occasion, pour nous sensibiliser un peu et accueillir avec plus de recul le témoignage de Carla, on a organisé un petit quiz peu réjouissant, il faut l'avouer, sur le gaspillage alimentaire. Fais-nous rêver. C'est très simple, je vais vous poser des questions, vous avez trois réponses et il faut deviner la bonne. Tu te sens prête, Carla ? Ça va, ça va. C'est parti. Donc à votre avis, au niveau mondial, quelle est la part de nourriture jetée ? 15%, 30% ou bien 47%? Moi, je dirais 30%. Ouais, on a toujours envie de prendre la réponse du milieu. Vous coupez la poire en deux. En fait, je dis 30% en étant un peu optimiste. Ouais. T'es optimiste. Ah, t'as la réponse. Donc Carla, tu as la réponse toi? Je pense que c'est plus 47. Ah ouais? Moi j'ai trouvé 30%, tu vois. Ok. Ah mais c'est dans la part mondiale, c'est ça? Ouais, c'est à l'échelle mondiale. Okay, mondiale. Ça doit équilibrer forcément. Donc au final j'avais bon. Donc au final tu avais bon. Parfois c'est la bonne solution de couper la poire en deux. Mais en c'est déjà trop. Hein, 30%. Oui bah 30% c'est mais déjà énorme. Mais c'est vrai que énorme. Moi aussi j'avais trouvé ça assez peu au final. Bah assez peu et pourtant qu'est-ce que c'est? Enfin 30% ouais. De la nourriture alors qu'on sait qu'il y a des pays qui sont en difficulté, c'est... Bah c'est quasiment un tiers quoi. Ouais. Bah c'est littéralement un tiers. Non, oui. C'est 33 un tiers. Quel est l'objectif fixé par le gouvernement d'ici 2025 pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Le diminuer par 4, le diminuer par 2 ou le diminuer par 1? Ça n'a pas de sens de diminuer par 1. Si? T'es peut-être une réponse fausse. Les connaissants, ils sont ambitieux sans trop l'être. Donc diminuer par deux.
Ouais, bah voilà, à chaque fois, vous coupez la parole. Bah ouais, non, mais oui, forcément. Est-ce que tu sais, Carla? Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, diminué par deux. Mais c'est vrai, c'est moi qui ai mis diminué par un, j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'avais dit. Parce que diminué par un, enfin un divisé par un, ça fait toujours un. On voit que j'ai arrêté les maths il y a très longtemps. 8 ans sans maths, ça fait beaucoup. Hein. Oh la vache, ouais. Ouais. Ouais, je me fais vieille en plus. Je me coule les yeux. On arrête de faire des blagues sur la vieillesse. Ouais, j'avoue, parce qu'Ariane... Ariane, du haut de ses 25 ans, là, un pied dans la tombe. C'est horrible. Bon, revenons au gaspillage alimentaire. Oui. À votre avis, le gaspillage alimentaire produit par les ménages s'évalue en moyenne à 20 kg de déchets par an et par personne, 20 kg de déchets par an et par foyer, ou bien 20 kg de déchets par mois et par foyer. Là, moi, je dirais par mois. Je sais qu'on est vraiment des crachats. Par mois et par foyer. Ouais. Non, c'est par an et par personne. Ah, bon bah bravo. Non, parce que c'est uniquement les déchets alimentaires. On n'a pas tous les emballages et tout. C'est vraiment les trucs organiques, tu vois. D'accord. Ce qui est déjà énorme en soi, tu vois. D'ailleurs, j'ai une confession à faire à ce sujet. J'ai laissé une orange moisir dans mon bocal à orange la dernière fois. Je suis désolée. Mais moi, j'ai acheté les filets de clémentine pas chers. Ouais. Sauf que bah forcément, tu payes ton filet de clémentine 1,50€. Il y a forcément un problème. Au bout de deux jours, t'as la moitié des clémentines qui sont pourries, ça pue, il y a des mouches partout dans ton appart. Ouais. Bref, c'est l'enfer. Et du coup, ouais, parmi ces 20 kilos, il y a 7 kilos de déchets qui sont encore emballés. Donc, Ah oui, d'accord. Ouais, ah genre, oui. T'achètes ton truc, tu l'oublies, tu le jettes. Ça va jouer. Ouais. Alors, que signifie DLUO ? Date logique d'utilisation après ouverture, date limite d'optimisation... Oula, waouh. Date limite d'utilisation après ouverture... Ou date limite d'utilisation optimale. Optimale. Je dirais après ouverture. Optimale. Optimale. Oh. Bravo Ariane, bravo Carla. J'aurais mis après ouverture aussi. Je trouve ça plus logique. Ouais. Optimale, je trouve ça fait très très technique, tu vois, genre. C'est optimale à consommer. Exactement. Alors qui paye le gaspillage alimentaire? Chaque acteur paye sa partie. L'État. Les consommateurs ou bien les citoyens? Ah, alors c'est quoi la différence entre les consommateurs et les citoyens dans ce cas-là? C'est la répartition, non? Peut-être, oui. Moi, je dirais que globalement, c'est quand même les... Enfin, je dirais, d'un point de vue sociologique, j'aurais tendance à dire les citoyens, parce que bah, c'est une perte pour tout le monde. Et il ne me semble pas que l'État... L'État paye, enfin c'est l'État qui ensuite trie nos déchets, mais du coup c'est les citoyens qui payent les impôts à l'État. Donc moi je dirais les citoyens. J'aurais dit citoyens aussi. Citoyens, moi aussi pareil. Ouais. Bah c'est les citoyens, les consommateurs, parce que du coup les citoyens payent pour la collecte des déchets, donc c'est pas l'État qui paye, et les consommateurs parce que évidemment en fait quand on paye notre produit, on paye aussi tous ceux qui sont restés dans les champs et qui n'ont pas été utilisés parce qu'ils étaient trop petits, trop machin, trop gros, trop grands. Bon voilà, on vient de terminer ce quiz. Bah, j'espère c'est à la fois triste et triste. Que on va se remonter le moral avec les jolies actions qui sont menées par l'association La Chorba. Juste avant d'écouter ça, on écoute Late Night Talking de Harry Styles. Joe, accompagné d'Ariane, de moi-même, mais aussi d'Adèle, notre journaliste, et de Carla, de l'association La Chorba, à qui on va laisser la parole pour les minutes à venir. Exactement. Merci beaucoup, Noémie. Et merci à toi, Carla, de nous rejoindre aujourd'hui sur le plateau. Merci à vous. Donc, toi, tu es responsable de communication à l'association La Chorba. Mais bon, ça, c'est la présentation, on va dire, officielle. Est-ce que toi, tu peux te présenter, ainsi que l'association au sein de laquelle tu travailles? Ok. Donc, moi, je m'appelle Carla, j'ai 25 ans. Et du coup, j'ai rejoint La Chorba depuis septembre. Donc, c'est encore tout récent. La Chorba, c'est une association qui est laïque, une association humanitaire. Qui a 25 ans aussi. On est de 98. C'est une association en fait qui a été créée par des bénévoles, par des citoyens comme vous et moi, qui sont partis d'un constat, le constat qu'il y avait énormément de gaspillage alimentaire à Paris et qu'il y avait également beaucoup de précarité alimentaire. Et donc ils se sont dit comment on peut allier ces deux choses-là. Dans un premier temps, c'était sur le marché, donc le marché d'Aligre, de récupérer des invendus alimentaires avant qu'ils soient jetés, pour en faire des repas pour des personnes en précarité. Et donc, ça fait 25 ans que ça dure. On a développé nos actions en fonction des besoins. Donc aujourd'hui, on a
beaucoup d'actions. Et on a pu développer aussi les moyens, le nombre de bénévoles. On est devenu un an après, du coup, une association à part entière. Notre action historique, c'est des distributions de repas Porte de la Villette. Mmh. C'est entre 600 et 800 repas qu'on va distribuer tous les soirs, wow. toute l'année, sauf le jeudi, parce que le jeudi, c'est historiquement un jour qui est fermé pour la Chorba. C'est des repas qui sont constitués d'un vendu alimentaire. Donc, c'est une chorba, donc une soupe, qui est fabriquée, nous, par nos salariés et salariés en insertion professionnelle, de viennoiseries, de fruits, de pain, en fonction de ce qu'on aura récupéré, de yaourts. Voilà, on a beaucoup de dons, de partenaires, de la banque alimentaire, etc. Mmh. Ça, c'est l'action historique. Après, on a d'autres actions. On a développé des colis alimentaires. Parce qu'on a beaucoup de familles en fait, qui ont besoin aussi, qui n'arrivent pas forcément à payer leurs courses à la fin du mois, mais qui ne vont pas forcément sur des lieux de distribution. Donc deux fois par mois, donc le samedi, ça se passe dans le 12e arrondissement, on fait des distributions de colis pour les familles. C'est à peu près 500 familles qu'on va recevoir sur une journée, donc sur un samedi. C'est des colis qui ont une base et qui après sont adaptés en fonction du régime alimentaire de la famille. En fonction de si la personne est végétarienne ou pas, de nous, des invendus qu'on aura, s'il y a des enfants, s'il y a des bébés, on pourra mettre aussi des produits d'hygiène qui seront adaptés. Donc ça, c'est un deuxième dispositif. On a développé les colis à domicile pour les personnes isolées ou en situation de handicap qui ne peuvent pas aller jusqu'à chez nous. Donc ça, c'est à peu près une à deux fois par mois en fonction de comment on peut le mettre en place. Tous les lundis, on fait des maraudes. Donc, on part, donc ça part de la chorba. On a des bénévoles qui viennent dans la matinée pour préparer des sacs de denrées pour les maraudes. Et ensuite, on a une équipe de maraudeurs, c'est à peu près 15 personnes, qui vont sillonner les rues de Paris. Donc, il y a 6 tournées. Mmh. Et donc, sur les 6 tournées, à chaque fois, il y a entre 2 et 4 bénévoles qui vont rencontrer en tout 200 personnes environ dans la soirée. Tu peux nous préciser ce que c'est, les maraudes, oui. pour ceux qui ne sauraient pas? Alors, les maraudes, c'est aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue, donc en situation de rue. Donc, on va aller à leur rencontre. C'est des personnes, soit qui vont être toutes seules, soit ça va être des mini-campements où ils seront deux ou trois. Il y a des points un peu plus importants, par exemple à la gare de Lyon, où là, on va se poser et il y aura beaucoup de personnes qui vont venir nous voir. On va leur distribuer donc, un petit sac de denrées avec compote, des biscuits en fonction de ce qu'on aura. On a aussi, nous, toujours dans notre véhicule, une soupe, donc une chorba, qu'on va pouvoir leur distribuer à volonté, du café, du thé, des boissons chaudes, des produits d'hygiène quand on en a. Et l'idée, c'est aussi du lien social, d'échanger avec eux, de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et pour cette action-là, on demande beaucoup des bénévoles réguliers pour créer un lien avec eux, pour voir, voilà, continuer à échanger avec eux sur leur vie, sur notre vie, et avoir un moment de partage. Je ne sais pas, juste de la distribution, c'est aussi échanger avec eux. Mais au bout de 25 ans, et je suppose qu'il y a des bénévoles qui sont assez réguliers, vous devez être... Puis malheureusement, on sait que souvent dans la rue, parfois, c'est un peu les mêmes personnes qu'on croise. Donc vous devez être un peu connu quand même au sein de l'arrondissement par les personnes dans situation de précarité ou dans la rue. Oui, en plus maintenant, on a nos camions véhiculés ou Kangoo la chorba. Donc on sait que c'est... Enfin voilà, ils savent que c'est nous. Mm. Et puis lundi soir, par exemple, quand on se pose à Gare de Lyon, on va avoir des personnes qui vont dire il y a la chorba, ils sont dehors, allez les voir. Mm. Donc voilà, maintenant on a des personnes qui nous connaissent, qui savent quand on est là, ce qu'on fait, ce qu'on distribue, qui connaissent aussi les coordinateurs qui sont sur place, qui sont là depuis des années, ou les bénévoles aussi. On a des bénévoles hyper réguliers qui sont là depuis le début. Donc du coup, c'est bien aussi d'avoir une image un peu familière de... Voilà, de retrouver des personnes qu'on connaît et pas à chaque fois un bénévole nouveau. Ça doit être rassurant pour la personne quand on est précaire. C'est aussi, ça peut être la précarité, pas seulement physique, mais aussi mentale. Donc c'est vrai que ça doit être rassurant d'avoir des visages qu'on connaît un peu, qui viennent toujours un peu au même moment pour distribuer de la nourriture et puis juste un peu de contact humain, quoi. Oui, et puis après, c'est un peu un rendez-vous au final, de nous retrouver comme vous pouvez retrouver toutes les semaines des potes, etc. Bah, là, c'est nous retrouver, nous, échanger. La dernière fois, ils nous ont dit, il me manquait un produit d'hygiène. Et la semaine d'après, on arrive avec un produit d'hygiène. C'est peut-être peu, mais au final, c'est d'avoir écouté. Donc l'écoute, c'est hyper important. Et du coup, de eux se sentir considérés, ce n'était pas juste des paroles en l'air. Et on essaye, on ne promet jamais rien, mais on essaye à chaque fois de répondre à la demande et aux besoins de la personne. Donc toi, tu es chargée de communication à la chorba. Donc c'est plutôt un travail, on va dire, de bureau, mais tu participes aussi aux événements, aux maraudes, aux distributions. Bah alors,
Déjà, c'était hyper important pour moi et puis même pour réaliser mon métier, tout simplement, de communiquer sur quelque chose que j'avais vécu et de pas dire on fait ça, mais au final, moi, je l'ai pas fait directement, c'est un peu compliqué d'en parler. Donc, j'avais à cœur de faire ces différentes actions. Donc, j'ai fait toutes les actions qu'on propose, déjà pour en parler et puis même pour moi à titre personnel. Là, j'ai fait beaucoup de distribution parce que c'est aussi ce qui était plus facile à mettre en place. Et du coup, j'ai pu rencontrer les bénéficiaires, les bénévoles. Et c'est important d'être au contact et de voir vraiment tous les jours ce qui s'y passe et de pouvoir aussi adapter moi ma communication en fonction des besoins qu'on peut avoir. Pour les bénévoles ou pour les bénéficiaires d'ailleurs, de mettre en place. Là, par exemple, on fait des distributions pendant la trêve hivernale, donc de décembre à mars, dans le restaurant de l'hôtel de ville qui nous a été prêté au moment du Covid. Donc, c'est à peu près 200 personnes qu'on va accueillir tous les soirs, 7 jours sur 7 pendant 4 mois. Et on a mis en place une permanence littéraire pour les personnes, puisqu'on s'était rendu compte que les personnes, ils viennent chercher à manger, ils viennent chercher aussi du lien social et aussi de la culture, etc. Donc, on a mis en place avec un bénévole qui s'appelle Christian, qui a mis en place un dispositif en fait tous les jeudis soirs. Et donc c'est aussi aller sur le terrain pour parler de ça, pour voir est-ce que ça on a besoin ou pas. Et oui, c'est une action qui marche, donc on continue, on demande des livres et on fait en sorte que ça perdure. Super. On va approfondir tout ça très vite, mais d'abord on va faire une petite pause musicale. Noémie, qu'est-ce que tu nous as réservé? On va écouter Cool Cat de Queen sur Hugo Radio. Making out like you're the main line. And I knew that. 'Cause
C'était Cool Cat de Queen sur UGOP Radio et on se retrouve encore une fois avec Adèle et Carla de l'association La Chorba pour la deuxième partie d'interview. Et je me posais une question pendant la pause radio, une question toute bête, mais la soupe La Chorba, ça vient d'où ? Alors c'est une soupe d'origine maghrébine et en fait c'est parce que lorsqu'on a, comme je vous disais tout au début de l'association, qu'on récupérait des invendus alimentaires, on a les bénévoles qui étaient là, qui étaient présents. Ils ont fait quelque chose qui était aussi simple à réaliser avec les produits qu'on avait. L'idée nous c'était d'acheter un minimum et de faire tout issu du gaspillage alimentaire, de récupération de denrées. Et donc c'est la soupe qui s'est un peu imposée avec aussi les personnes qui étaient bénévoles à ce moment-là, c'était aussi leur savoir-faire à eux. Et donc c'est comme ça qu'est née la chorba. Naissance dans le savoir-faire. Ouais, il y avait c'était les personnes qui étaient présentes à ce moment-là et en fait c'est resté cette soupe qu'on sert du coup tous les soirs à Porte de la Villette et à chaque fois elle va changer. Ça ne sera pas la même soupe exactement, ça va être en fonction des invendus qu'on aura. Donc des fois ça sera des lentilles, des pâtes, de la viande, du poulet si on en a. Enfin voilà, en fonction de nous ce qu'on va récupérer aussi. Mais ça sera toujours une chorba qui sera distribuée à Porte de la Villette. Donc c'est beau, toujours la chorba. Là il y a la régularité, mais jamais avec les mêmes ingrédients. C'est ça. Tout à fait, c'est en fonction de ce qu'on a. Donc comme quoi, ça n'empêche pas de faire des trucs un peu travaillés, plus ou moins travaillés, plus ou moins différents, et c'est très chouette. Donc toi, tu nous expliquais que tu allais sur le terrain, mais qu'avant tout, tu es chargée de communication. C'est quoi tes missions au sein de l'association de la Chorba ? Ça va être de présenter nos actions, soit des futurs bénévoles qui veulent s'engager, mais pour s'engager, il faut savoir dans quoi on s'engage, qu'est-ce que l'association fait, etc. Ça va être aussi... parler de la chorba, ça peut être à des médias ou à des entreprises, enfin voilà, pour qu'ils sachent ce qu'on fait, qu'ils ont, enfin pour avoir envie d'en savoir plus, de nous aider, que ce soit avec des dons de denrées alimentaires, que ce soit des dons financiers, juste nous aider, nous soutenir d'une façon ou d'une autre. Donc ça va être la présence sur les réseaux sociaux, l'envoi de newsletters aussi. On a des donateurs qui nous donnent régulièrement et encore une fois on les remercie, du coup de les informer des actions qu'on a pu mener. Ça peut être des personnes en fait qui vont pas forcément sur le terrain, qui n'ont pas forcément le temps, mais qui vont nous aider financièrement, et donc c'est bien de les tenir au courant de qu'est-ce qu'on fait avec leur argent aussi. Donc voilà, c'est un peu tout cet aspect de communication, médias, réseaux sociaux, site internet. Et après je m'occupe également beaucoup de la de gérer en fait les bénévoles. On a une plateforme en fait de bénévoles qui a été créée par un bénévole qui nous a créé ça. Et c'est super, c'est hyper intuitif. On peut être très autonome. On a juste à créer un compte en 3 minutes. Et après, les bénévoles peuvent s'inscrire à l'action qu'ils souhaitent, sur le jour qu'ils souhaitent. On ne va pas leur demander d'être là tous les mardis ou de venir une fois par mois. C'est vraiment en fonction de la personne et de son emploi du temps. Et du coup, moi, ça va être aussi ça, mon job. Ça va être de réguler et de voir s'il y a des jours où il y a moins de bénévoles, des jours où il y a trop de bénévoles. Le lien aussi avec des entreprises qui veulent engager des collaborateurs ou faire des partenariats avec nous. Donc tu coordines beaucoup. Ouais. Et s'il y a des bénévoles qui sont intéressés ou même d'autres gens qui veulent demander de l'aide à la Chorba, il y a des grandes chances qu'on te croise ou qu'on tombe sur toi à un moment ou un autre. Tout à fait. Alors un nom à retenir, c'est didou.lachorba.fr et c'est le lien où en fait les personnes peuvent s'inscrire directement et être bénévoles. Didou. Parce que du coup c'est Didier, notre super bénévole, qui a créé la plateforme. C'est un bel hommage. Donc c'est un bel hommage pour lui. Moi, je me posais une autre question, c'est que je me suis rendue sur votre site, qui est d'ailleurs très bien fait. Je vous conseille d'aller voir. Donc la Chorba, tout simplement. J'ai peut-être l'adresse exacte. Oui, j'ai l'adresse exacte. https://chorba.fr/. Pour ceux que ça intéresse. Et une des premières phrases qui apparaît quand on visite le site, c'est « En janvier 1998, quelques bénévoles se sont donnés 100 jours pour agir contre la faim et l'injustice. C'est la naissance de la Chorba. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours les mêmes rôles ou est-ce que ça a un peu évolué ou alors au contraire, c'est vraiment toujours le même constat ? Non, c'est toujours le même constat et c'est pour ça qu'on veut toujours aller plus loin en développant nos actions. C'est ce que je vous ai dit. Du coup, la première action, c'était des distributions au port de la Villette. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins, d'autres demandes. Et donc, du coup, on a étendu, puisque le gaspillage alimentaire est toujours là, malheureusement. Donc, tous les repas qu'on distribue tous les soirs à port de la Villette, les coûts sont très réduits. On est à 0,60 centimes. Enfin, on a 60 centimes pour un repas avec les denrées, la logistique, les fournitures, etc. Tout global. Ce qui est peu parce qu'on est vraiment issu du gaspillage alimentaire, de récupérer des choses qui vont être jetées. Donc le constat est toujours là et on développe de plus en plus des actions en fonction des besoins.
Et justement, en parlant de chiffres, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns sur l'association, notamment combien vous êtes, combien vous avez de bénévoles, et puis, bah, par exemple, combien de kilos d'invendus vous récupérez par jour ou par semaine ? Sur l'année 2022, c'est 484 kilos de produits qu'on a récupérés, de tonnes de kilos. C'est vrai que c'est tout à fait la même chose. De denrées, enfin de choses alimentaires qu'on va pouvoir récupérer. La Chorba, on est 15 salariés permanents, donc des salariés CDI ou CDD, des coordinateurs sur le terrain, de logistique, de RH, de direction, communication, etc. Et on travaille avec des salariés en insertion professionnelle, donc c'est environ une cinquantaine de personnes sur l'année. Donc c'est des salariés qui ont été un peu isolés de l'emploi et qui reviennent progressivement dans le monde du travail. Donc on a un chantier premières heures, donc c'est des personnes qui étaient vraiment très isolées et qui reviennent du coup avec très peu d'heures par semaine, par mois. Et ensuite, on a des salariés en chantier d'insertion professionnelle. Et du coup, ça va être des postes pour la cuisine, par exemple, pour faire les repas, de logistique sur le terrain, de voilà, chargement de camions, déchargement, toutes les choses en lien avec la manutention. Chauffeur-livreur aussi, des agents d'entretien de propreté du ménage. Et ces salariés, c'est des gens que vous avez pu croiser au cours de vos dons, de vos maraudes ou Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça peut être des personnes qu'on a récupérées qu'on a rencontrées sur nos distributions, dans les maraudes. Et ça peut être des personnes aussi qui sont présentées spontanément à nous. Voilà, on a une personne qui gère toutes ces insertions professionnelles. D'accord, bah merci beaucoup. On va encore faire une petite pause, Noémie. C'est ça, c'est la dernière avant la fin de cette interview. On va écouter Burn in Love de Winona. C'était Burn in Love de Louis.
Nona, sur Ecop Radio. On est toujours en compagnie de Carla et de l'association La Chorba, pardon, et d'Adèle, notre journaliste, et on vous écoute tout de suite pour cette dernière partie d'interview. Et c'est déjà la dernière partie, alors que j'ai encore tant de questions. Il faut dire que c'est une sacrée association qu'on a là. Et alors, moi, j'avais une autre question par rapport aux denrées, au fait de ne pas gâcher la nourriture et de votre lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous, vous récupérez énormément de denrées non commerciables, mais tout à fait consommables. Et qu'est-ce qu'on a tendance à jeter ou à ne pas consommer alors que c'est toujours parfaitement bon ? Alors déjà, nous, on récupère une tonne à peu près par jour avec tous les partenaires qu'on va pouvoir avoir. Et ce qu'on va récupérer, ça va être les fruits et légumes, souvent parce qu'ils sont... Un peu moches ? Ouais. Ça peut être un peu ça. Et nous, ça va nous servir beaucoup, les légumes aussi pour la chorba. Après, ça va être les compotes, les tâches qu'on va pouvoir récupérer. Après, tout ce qu'on récupère, c'est pas et qu'on va distribuer, c'est pas périmé, c'est encore consommable. Ah oui, bien sûr. Mais je crois que oui, les compotes, les tâches, etc. Il me semble que même quand la date est finie, on a encore un petit delta en plus. Donc ça, on récupère beaucoup. Donc c'est cool, ça nous permet d'alimenter un peu nos repas et tout ce qu'on nous on récupère en plus, ça va être des choses qu'on va pouvoir distribuer en plus. C'est comme pour les colis, du coup là c'est des denrées, des choses qui vont être différentes. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on finit un colis, j'ai l'image de ma collègue qui s'occupe de ça, qui à chaque fois dit c'est vide et elle veut toujours rajouter des choses parce que on a envie de donner beaucoup, mais on donne ce qu'on récupère. Donc ça va être essentiellement fruits, légumes. De la viande, on en récupère, mais ça dépend des périodes, des moments. Et on a aussi également beaucoup de partenaires de boulangerie qui vont nous donner des invendus tous les jours. Et ça, c'est top, que ce soit pour le pain ou que ce soit pour des viennoiseries qu'on va pouvoir distribuer lors de nos distributions. Et donc, moralité, si vos légumes et vos fruits sont moches, ne les jetez pas, faites une chorba. C'est ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, on ne gâche vraiment absolument rien, puisque quand on récupère du coup tous ces produits et qu'après nous on fait nos repas, si jamais il nous reste encore des choses, soit ça va être des choses qu'on va pouvoir mettre dans nos colis et il n'y a pas de souci, soit ça va être des choses en trop petite quantité, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire, on les met devant la chorba, donc dans le 12e arrondissement, et en fait les habitants du quartier le savent et ils peuvent récupérer un poireau, un truc qu'on n'a pas utilisé et qui est totalement bon, c'est juste que sinon ça, nous on va le gaspiller, donc du coup on le sort et donc on a des personnes qui viennent récupérer, donc on gâche absolument rien. Tu peux nous rappeler l'adresse de la chorba pour ceux que ça intéresserait? 87 boulevard Poniatowski. Et notez bien. Justement, tu parlais des partenaires sur vos sites. Sur votre site, encore une fois, dans l'onglet partenaires, on voit que vous êtes en lien avec beaucoup de monde, notamment des grandes enseignes. Et on sait que le gaspillage alimentaire, ça a souvent été un gros problème pour les supermarchés. Il y a eu des scandales, notamment de la Javel qui était mise dans les poubelles pour être sûr que personne ne vole. Donc là, on voit que ça a l'air d'évoluer un peu dans le bon sens. Est-ce que toi, tu as vu des changements? Est-ce que tu dis que là, les grandes enseignes et les supermarchés commencent à se responsabiliser et à travailler de plus en plus avec les associations pour éviter le gaspillage? Un changement, je ne sais pas. Je pense que c'est une prise de conscience collective, mais pour tout le monde, de se rendre compte que la précarité, elle augmente. Ça a été le cas notamment avec le Covid et ça continue d'augmenter. Nous, on le voit avec les personnes qu'on accueille qui augmentent tous les jours. Des fois, quand on fait nos calculs, on se dit « on a peut-être distribué un peu moins de repas que l'année d'avant », mais en fait, les calculs, à chaque fois, c'est des chiffres, mais au final, le nombre de personnes dans la rue, ça augmente. Le nombre de personnes qui viennent à nos distributions, ça augmente. Les distributions, par exemple, qu'on fait à Hôtel de Ville là, pendant la trêve hivernale, on accueille normalement 200 personnes. Hier, on était à 260. La veille, on était à 270. Ça fait que augmenter. Et du coup, je pense que les supermarchés, les partenaires, etc., ils savent, ils ont aussi ces chiffres, ils savent que ça augmente. Et donc, ils veulent peut-être aussi ajouter leur pierre à l'édifice. Et nous, ça nous permet de nous aider, parce que ça permet de faire nos repas à moindre coût. Et nous, on a envie d'aider, mais c'est vrai que sans financement, sans des choses, on aurait du mal. Donc c'est un petit plus qui nous aide énormément. Puis ça arrange tout le monde, au fond. Au fond, ça arrange tout le monde, parce que finalement, ils vont rien en faire. Donc nous, au moins, on sait ce qu'on peut en faire, et on a les moyens de le transformer en repas qui seront distribués à une fin utile. Très rapidement, en parlant de gens et du fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit dans des situations de précarité alimentaire, avec le Covid et puis même l'inflation ces derniers temps, vous avez observé des changements dans le profil des gens qui viennent demander de l'aide ou... C'est toujours assez varié. On a eu beaucoup d'étudiants récemment,
Donc des étudiants qui sont un peu à la frontière. Ça va pas forcément être des personnes qui vont être en grande précarité, mais qui au final commencent à la fin du mois à plus pouvoir se nourrir convenablement. Ça c'est pendant toute la dernière semaine. C'est quoi. Ça. Du coup, ça, il y a beaucoup d'étudiants. Après, c'est vrai qu'on a un peu de tous les profils. On peut avoir des personnes qui sont en précarité, qui vivent dans la rue, mais on a aussi des personnes qui ont un logement. Précaires, mais un logement, et qui viennent quand même parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se nourrir convenablement. On a des personnes qui vont venir tous les soirs à nos distributions. Il y en a qui vont peut-être venir qu'à la fin du mois parce que c'est peut-être plus compliqué. Donc il y a un peu ces deux profils. Nous, la Chorba, c'est un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on ne refusera jamais personne. Donc la personne, à la fin, elle vient à nos distributions, elle mangera. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours, je pense. C'est l'ADN de la Chorba, de ne pas refuser de monde. Mais c'est vrai qu'on a vu malheureusement l'augmentation. Donc nous, on essaye de faire nos actions, de les développer, de faire de plus en plus de choses. Depuis 3 ans, on a lancé des distributions de petits déjeuners, un dispositif qui s'appelle Art & Food. L'idée, c'est pas de nourrir uniquement le corps, c'est aussi nourrir l'esprit. Et donc de donner la possibilité à des personnes... d'aller dans des lieux culturels du centre de Paris et de recevoir un repas, donc un petit déjeuner complet, enfin, on essaye complet en tout cas, et de repartir aussi avec une lunchbox pour le midi. Et donc quand ils viennent à nos distributions, donc ça c'est pendant la trêve hivernale également, on essaye de le perdurer, mais pour l'instant c'est pendant la trêve hivernale, quand ils viennent à nos distributions, ils peuvent à la fois manger le petit déjeuner, repartir avec la lunchbox. Le soir, ils peuvent aussi nous trouver pour une distribution, donc on leur une journée entière avec voilà. Vous. La Chorba fournit 3 repas. Message à tous les services civiques au sein du GOP Radio. Si jamais vous avez du mal à finir le mois, il y a une solution dans le 12e. Pas dans le 12e. À côté. Port de la Villette, hôtel de vie, voilà, avec la Chorba, mais pas dans le 12e. J'aurais une dernière petite question rapidement. Oui. Donc je sais que vous organisez des trucs réguliers, donc tous les repas le soir, tous les repas durant la trêve hivernale, mais vous avez aussi des événements un peu plus ponctuels. Et juste comme ça, est-ce que vous avez un événement bientôt dont tu veux parler, que tu veux promouvoir? Alors on a la collecte alimentaire par exemple. La collecte alimentaire, c'est avec les banques alimentaires, c'est 2 fois dans l'année, donc en novembre et en mai. Et en fait, c'est vous savez, les petites associations qui sont dans les supermarchés avec le caddie, oui, et les petits flyers, et on leur dit est-ce que vous pouvez nous donner des pâtes, du riz, des choses comme ça. Donc ça, on les fait. Nous, c'est une aide énorme pour nous. Pour vous donner un chiffre, en novembre c'était 13 tonnes qu'on a pu récupérer sur un week-end, donc vendredi, samedi, dimanche sur 3 jours, avec beaucoup de bénévoles qui sont mobilisés. Et donc là, on recommence en mai, et donc on va chercher des bénévoles pour nous aider pour, en fait, sur à peu près 8 magasins, couvrir les 3 jours et récupérer les invendus qu'on récupère après à la Chorba, qu'on trie en fonction de voilà, petit déjeuner, féculents, etc. Des produits qui sont souvent c'est des produits secs, des choses voilà, qui sont utiles pour nous et qu'on peut distribuer lors de nos colis. Donc si vous avez une disponibilité en mai, chers auditeurs et auditrices... Normalement, c'est le week-end du 15 mai. On attend des validations, mais voilà. À noter. En tout cas, merci beaucoup, Carla, d'être venue et de nous avoir parlé de la Chorba. Et comme quoi, 25 ans d'existence, un problème toujours d'actualité, et on a plus que jamais besoin de vous. Donc merci beaucoup, tout simplement, de nous avoir parlé de vos actions. Merci à vous pour l'accueil. Et puis j'espère que vous viendrez sur le terrain. J'ai trop envie. on trouvera un moyen, on fera une sortie spéciale c'est radio. C'est ça. À la Chorba. Exactement. Et je rappelle une dernière fois, si vous voulez plus d'informations, il y a tout qui est disponible sur le site lachorba.fr. Et on se laisse sur Naïve de The Cooks. You're so naive, yes, so how can this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet empty face is such an ugly way. Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me, and I know she's
On vient d'écouter Naïf de The Cooks et on arrive bientôt à la moitié d'émission. J'espère que vous allez toujours bien autour de la table. Oui, ça va. Oui. Je suis encore soufflée par la chorba. C'est vrai que c'était vraiment un moment super cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien parce qu'il va falloir avoir le moral bien accroché pour la macabre chronique d'Ariane. On t'écoute. Tant de dureté, très bien, voire trop bien pour moi retranscrite dans certains de ses poèmes. C'est un fait divers qui fait scandale à son époque et divise la France à tel point qu'on le compare à l'affaire Dreyfus. En effet, il révèle au grand jour deux tabous que sont le parricide, c'est-à-dire le meurtre du père, et l'inceste. Dans la nuit du 21 au 22 août, Violette Nozière empoisonne ses parents à l'aide d'un barbiturique avec de l'eau. À partir du poème ? Tu relances le poème et on reprend à zéro ? Ouais. Ok, on fait ça maintenant. Ça part. Ok. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père dans les jardins de la jeunesse. Il y aura des inconnus, tous les inconnus. Les hommes pour lesquels on est toujours neuve et la première. Les hommes pour lesquels on échappe à soi-même. Les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette a rêvé de défaire, a défait, l'affreux nœud de serpent des liens de sang. C'était un poème de Paul Éluard en soutien à Violette Nozière, jeune parricide de 18 ans qui empoisonna ses deux parents fin août 1900. Fin août 1933, 9 rue de Madagascar, à 3 minutes des locaux de cette radio. Je suis désolée, on est désolé à nos chers auditeurs et auditrices, on va dire qu'il y a eu un petit souci en régie, ce qui malheureusement a brisé, on va dire, la suspension de crédulité d'Ariane. Désolée, excusez-moi. On parle d'un sujet très dur, mais il n'y a pas de problème. Ariane, on te laisse reprendre. Je vais reprendre mes esprits, si Noémie ne me regarde pas en rigolant. Je vous avoue avoir choisi un des poèmes les moins durs et les moins crus du recueil des surréalistes dédiés à la Défense. Non, mais je peux pas. Je suis désolée, on est victime d'un fou rire. Je crois qu'en fait, il va falloir qu'on laisse cette chronique un peu de temps pour de répit. Je vous propose d'écouter
Hugo, t'es là, s'il te plaît. Je vous propose d'écouter 10 ans de nous de Ben Mazuet. On reviendra juste après avec la chronique d'Ariane. Ça doit être la 700 000e fois que je te vois t'habiller, choisir cette culotte ou celle-là, que je te vois t'abîmer. On n'a pas vraiment vieilli parce qu'on se sent capable de tout encore, mais on a gagné quelques plis sur le corps. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, et même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. On se l'est tellement dit que ce serait pour longtemps, que finalement 10 piges ça paraît pas tant, c'est pas si épatant, ça rafraîchit l'odyssée, même si l'on contemple plus que l'on agit. Puisque l'on réussit, on essaie, on essaie. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous, pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. On passe à côté si on n'exige pas au moins aussi bien que ce qui vient de se passer. Moi, j'ai encore nos débuts en mémoire, nos espoirs, et je rougis pas de ce qu'on est devenu. 2 enfants plus tard, ça aimer, pour nous c'est ça. Hugop Radio. Vous voulez connaître toute l'actu du 12e arrondissement? Retrouvez du lundi au vendredi votre nouveau rendez-vous, le 12 en 2 heures. De 16h à 18h, toute la vie du 12e en direct avec vous. Infos, météo, trafic, bons plans, reportages, invités et vos coups de cœur du 12e arrondissement. Le 12 en 2 heures, du lundi au vendredi, 16h-18h, en direct sur Hugop Radio, la radio du 12e. C'était 10 ans de nous de Ben Mazuet, et on se retrouve une fois de plus avec Adèle et Ariane pour la chronique d'Ariane. On t'écoute. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père dans les jardins de la jeunesse. Il y aura des inconnus, tous les inconnus. Les hommes pour lesquels on est toujours neuve et la première. Les hommes pour lesquels on échappe à soi-même. Les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette a rêvé de défaire, a défait, l'affreux nœud de serpent des liens de sang. C'était un poème de Paul Éluard en soutien à Violette Nozière, jeune parricide de 18 ans qui empoisonna ses deux parents fin août 1933, 9 rue de Madagascar, à 3 minutes des locaux de cette radio. Je vous avoue avoir choisi un des poèmes les moins durs et les moins crus du recueil des surréalistes dédiés à la défense de Violette Nozière. Lorsque j'ai choisi ce sujet de chronique, pensant traiter d'un simple fait divers à côté de notre radio, je ne m'attendais pas à autant de dureté, très bien, voire trop bien pour moi, retranscrite dans certains de ses poèmes.
C'est un fait divers qui fait scandale à son époque et divise la France, à tel point qu'on le compare à l'affaire Dreyfus. En effet, il révèle au grand jour deux tabous que sont le parricide, c'est-à-dire le meurtre du père, et l'inceste. Dans la nuit du 21 au 22 août, Violette Nozière empoisonne ses parents à l'aide d'un barbiturique avec de l'eau. Puis elle sort, se promène vers le bois de Vincennes et rejoint le quartier latin où elle prend un hôtel. Le lendemain du crime, elle fait du shopping, va chez le coiffeur et le soir va danser. Le soir du 22 août, après le bal, elle rentre dans l'appartement de ses parents, rue de Madagascar, où elle retrouve son père gisant dans la salle à manger et sa mère inconsciente. Alors, elle décroche le tuyau de gaz pour faire croire à un suicide et alerte le voisin. Son père ne survivra pas. Ayant avalé l'intégralité du verre que lui proposait sa fille, sa mère, quant à elle, ne boit que la moitié, trouvant le goût trop amer. Ainsi, le 23 août, après avoir interrogé Violette, le commissaire de police Guedet souhaite confronter celle-ci à sa mère, qui sort alors du coma. Mais pendant un moment d'inattention du commissaire, Violette s'enfuit. Cette fuite signe alors sa culpabilité. Elle est inculpée d'homicide volontaire et commence une cavale jusqu'au 28 août où elle est arrêtée dans le 7e arrondissement sur la dénonciation d'un homme avec lequel elle avait rendez-vous. Elle va être affublée de plusieurs surnoms comme le monstre en jupon ou la fleur du mal. Elle est présentée dans la presse comme une femme dévergondée, vénale qui se prostitue. En effet, Violette Nozière passe beaucoup de temps dans le quartier latin où elle fréquente des étudiants d'un autre milieu social, plus élevé. Elle souhaite sortir de sa condition. Pour cela, elle ment sur l'origine sociale de ses parents. Son père, mécanicien, serait ingénieur en chef des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée et sa mère, femme au foyer, travaillerait chez la grande couturière Jeanne Paquin. C'est le mobile qui est tout d'abord retenu pour le parricide pendant la cavale de Violette Nozière, sa vénalité. Le vol de ses parents qu'elle dépouille de leur argent la veille du meurtre. Puis elle révèle pendant son interrogatoire par le commissaire Guillaume « Si j'ai agi ainsi, c'est parce que mon père abusait de moi depuis mes 12 ans. » Le tabou de l'inceste est alors tellement présent dans la société que le mot n'est alors jamais prononcé dans la presse, qui parle de monstrueuses accusations. Car ce qui est monstrueux, c'est l'accusation et non l'acte qu'elle dénonce. Cette accusation est alors vue par une partie de la population française comme un double assassinat du père. C'est le crime du crime, parce que ça touche au père, et le père, c'est le pilier de la société civile. Si on touche au père, on touche au fondement de la société. Pour une autre partie de la population, comme les surréalistes qui la défendent, le parricide est vu comme un acte libérateur et révolutionnaire de la part de Violette Nozière. Tout d'abord, condamné à mort par la cour d'assises le 12 octobre 1934 à Paris, le président Albert Lebrun transforme sa peine en travaux forcés à perpétuité. En août 1942, le maréchal Pétain réduit cette sentence à 12 ans. Finalement, elle est libérée le 29 août 1945, puis graciée par le général de Gaulle le 17 novembre suivant. Elle passe donc plus de 10 ans en captivité, elle-même victime d'un crime pour lequel elle n'a jamais porté plainte. Très certainement à cause d'une société qui ne voulait pas voir et qui ne veut toujours pas voir. Je voulais vous rappeler quelques chiffres. En France, selon une enquête d'Ipsos menée en 2019, une personne sur 10 a été victime d'inceste dans sa vie. Et chaque année, ce sont plus de 165 000 enfants qui sont victimes de viols et d'agressions sexuelles pour moins de 1000 condamnations par an. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux. C'est glaçant, mais criant de vérité. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ta chronique, c'est vraiment ce truc de double sanction, en fait, et qui existe encore avec typiquement la phrase « on le savait tous » quand il y a des hommes qui sont accusés. Et en fait, tout le monde le savait, mais personne n'en parle parce que personne n'a envie de risquer de détruire une carrière ou quoi que ce soit. Le fait qu'une des excuses qui sort... Pardon, excusez-moi. Une des excuses qui est, enfin, pas une excuse, mais une accusation qui est souvent faite aux femmes qui dénoncent justement les viols, les agressions, l'inceste. On leur dit, tu vas détruire la vie de l'homme dont tu parles. Mais bon, peut-être que c'est lui qui s'est détruit la vie tout seul. On s'en fout un peu de détruire sa vie, je pense. Oui. Bon, sur ces belles paroles, on écoute tout de suite Long Train Running pour se remonter un peu le moral de The Doobie Brothers.
C'était Long Train Running des Dobby Brothers. Avec l'accent. Avec l'accent aléatoire. Soyons un peu plus joyeux. Ça. On va pas vraiment se remonter le moral parce que tout de suite, on va faire un petit zoom sur un sujet géopolitique. Cette année, le 27 juillet, on célébrera les 70 ans du cessez-le-feu entre les deux Corées. Donc on va faire un rapide point géographie. Les deux Corées, ce sont la Corée du Nord et la Corée du Sud, je pense que vous vous en doutiez. Elles se situent sur une péninsule coincée entre l'archipel japonais et la Chine. Alors aujourd'hui, on connaît la Corée du Sud comme étant la 20e puissance économique mondiale. On la connaît aussi pour sa proximité avec les États-Unis, pour sa production de smartphones ou encore de voitures. Et aussi, il faut l'avouer, pour la K-pop, qu'on soit fan ou pas. Ah, la K-pop. La Corée du Nord a, elle, moins bonne réputation et pour cause. C'est un exemple d'isolationnisme. Le pays est recroquevillé sur lui-même, victime d'une politique communiste imposée par le dirigeant suprême, autrement dit le dictateur, Kim Jong-un, laissant vivre ses habitants dans la misère et mourir dans la famine. Aujourd'hui, on va voir ce qui est à l'origine de cette scission aussi radicale entre les deux nations qui ne faisait qu'un jusqu'en 1897. Alors, il faut savoir que la péninsule s'appelait le Royaume de Corée. Elle a été dirigée entre 1392 et 1897 par la même dynastie, celle des Joseon. C'était un territoire connu pour sa stabilité. Il portait d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, son nom le pays du matin calme. Bref, rien ne laissait présager cette fin jusqu'à ce qu'au début du 20e siècle, le Japon développe une grande armée et prenne le contrôle de la Chine en 1895. 10 ans plus tard, il attaque la Russie et s'en prend dans la foulée à la Corée qui finit par être totalement colonisée par les Nippons en 1910. Alors je dois avouer que cette partie de l'histoire m'a étonnée parce que je n'imaginais pas la force de frappe des Japonais à cette époque. Dans mon imaginaire, le Japon qui s'en prend à la Chine et à la Russie, c'est comme les Chihuahuas qui aboient sur un bulldog, ça n'a pas de sens. Et pourtant, la Corée sera sous l'emprise japonaise jusqu'au 2 septembre 1945. Alors je vais rafraîchir la mémoire à ceux pour qui l'histoire serait un peu loin. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule, ce qui signe la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Cette capitulation, elle intervient après la destruction des deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, par les Américains à la bombe atomique. À ce moment-là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de la Corée ? Les États-Unis et la Russie ont une idée merveilleuse, séparer le pays en deux et s'attribuer chacun une partie du territoire. Alors à votre avis, qui a pris la Corée du Nord et qui a pris la Corée du Sud ? Oh là là, je ne sais pas. Le suspense est intense. Et oui, la Russie a pris la Corée du Nord et les États-Unis la Corée du Sud. Chacun va mettre en place un gouvernement qui lui est favorable, communiste au Nord et anticommuniste au Sud. Mais cette situation n'est pas vouée à durer. L'ONU a accepté cette partition, à condition qu'elle prenne fin au bout de 5 ans. Donc en 1948, chaque État se proclame indépendant. Les tensions grandissent, chaque État estime être plus à l'image que l'autre de la vraie Corée. Et le 25 juin 1950, l'armée nord-coréenne, composée de 200 000 soldats, franchit la frontière entre les deux pays. En 2 jours seulement, ils s'accaparent Séoul, puis gagnent le Sud et finissent finalement par occuper 90% du territoire sud-coréen. Ce coup de force est largement facilité par le soutien de la Russie à la Corée du Nord qui lui fournit énormément de matériel militaire, notamment beaucoup de chars. Mais dans un contexte de guerre froide, il n'est pas question pour les États-Unis de laisser passer. Avec l'ONU et 20 autres pays, les Américains montent une opération commune pour venir en aide aux Sud-Coréens. Les forces américaines prennent rapidement le dessus, mais ne s'arrêtent pas à la frontière. Non, non. Elles gagnent la capitale nord-coréenne, Pyongyang, et remontent même jusqu'à la frontière chinoise. Alors là, il y a encore un retournement de situation. Cette fois-ci, c'est la Chine qui est en colère. Elle mobilise 3 millions de soldats pour soutenir la Corée du Nord. Et en 1951, la situation se stabilise à peu près autour de la frontière entre les deux pays. Malgré ça, les États-Unis continuent les bombardements et recouvrent la Corée du Nord de napalm, des bombes incendiaires qui détruisent les territoires et flambent les populations, rien que ça. Mmh. Un joyeux combo. C'est finalement donc le 27 juillet 1953. Il est temps de finir cette chronique. Que le cessez-le-feu est signé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la Chine et les États-Unis. Donc il faut savoir que c'est un cessez-le-feu. Donc officiellement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont encore en guerre. Et ça peut d'ailleurs se percevoir parce que ça fait quelques années que la Corée du Nord lance aléatoirement des petites bombes autour de la Corée du Sud pour dire coucou, on est toujours là. Et on est toujours en colère. Et on n'est toujours pas copains. Même si certains ont peut-être l'image des deux dirigeants en 2018 qui se rejoignent à la frontière
nord-sud pour se serrer la main. Bon, il faut savoir que cette rencontre n'a rien donné et qu'ils se font toujours la tête. Mais la Corée du... enfin, les échanges entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est vraiment un pas en avant, trois pas en arrière. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça n'a pas changé, donc voilà. On peut espérer la suite. Il y en a qui disent que s'il y a une troisième guerre mondiale, ça viendra de là. Il y a d'autres experts qui disent qu'on peut espérer des avancées. Ouais, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est vrai qu'avec la situation actuelle en Ukraine, etc., les tensions géopolitiques qui se tendent un peu de partout, pour l'instant, on n'est pas vers du mieux, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous êtes prêts à retrouver l'angoisse de la guerre froide qu'ont connu nos grands-parents? Nos parents, même. Oui, c'est vrai, tu as raison. Eh bien, on peut juste croiser les doigts et continuer de se renseigner sur la situation. Bon, en tout cas, j'espère que vous en aurez un peu plus appris sur ce conflit sur lequel moi, je n'avais pas grande connaissance parce qu'on ne l'apprend pas à l'école en Europe. Et sinon, vous êtes toujours sur Europe Radio et on écoute 5 minutes de Heure. Need is 5 minutes if you can see the sign. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin, and then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. 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 Stop the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses. Cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug with side effects, like a ride on a rocket. The love don't spend. All I need is 5 minutes. 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 C'était 5 minutes de Heure et on se retrouve pour le blind test spécial année 2009. Oh là là, oh là 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 là. 2009.
Et ouais, c'est petit retour ah ouais. en primaire. Alors les règles sont très simples, il y a 2 points à gagner par titre, le titre de la chanson remporte 1 point et le nom de l'artiste 1 autre. Mmh. Le premier à avoir la bonne réponse remporte le point. Donc je vous laisse sans attente écouter la première musique. Hugo, on a besoin de toi. Ça c'est Noémie qui parle à Hugo en direct du Gop Radio. Attends. Shakira. Ah, ouais. Shakira. Never. Ouais. Whenever. Mais non, mais attends, c'est de la triche. Toi, t'es plus vieille que nous. Tu te souviens de 2000? Ouais, bah, moi, j'ai 20 ans et je me souviens. Ben, moi, je. De la première chanson. C'était la base, tu vois, à l'école primeur. C'est parce que j'ai faim, ça. Mais c'est quand j'ai commencé à écouter de la pop et tout, c'était Shakira que j'écoutais en premier. Non, mais moi, je commençais à être émo, j'écoutais pas ça. Mais du coup, on a 1 point pour Julie et 1 point pour Ariane. Ariane, c'est extrêmement drôle comment tu te tenais pour répondre. la chance, c'est oh, c'était très drôle. Vrai, Ariane, elle va tous nous éclater, là. Attention. On écoute la deuxième chanson tout de suite. Je connais, mais je vais avoir dit le titre ni le nom. Jason Derulo, bah oui, c'est non, mais Ariane, parle dans le micro. Au lieu de taper le micro, au lieu de le taper, donne la réponse. Personne a le titre. C'est littéralement la première fois que j'ai dit. Oui, j'ai dit, c'est pour moi. Pour Adèle. Je t'ai entendu dire le titre. Non. Non, 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 elle a dit Jason Derulo au moment où elle a dit Jason Derulo. Donc on a 2 points pour Ariane, 1 point pour Adèle et 1 point pour Julie. J'ai sauvé l'honneur. On écoute tout de suite la 3e chanson. Moi j'étais ultra fan. Oh mon dieu, attends, je sais, je vais l'avoir. Le clip est incroyable. Zut, ah, je sais ce que c'est. Adèle en tant que personne. Ouais, et quelqu'un d'autre. Attends, c'est Lady Gaga. Lady Gaga. Là, il y a 3 points à avoir. Il y a 2 artistes. C'est un featuring. Ah. Non, la 2e artiste, elle a sorti un album qui s'appelle Renaissance cette année. Ouais, Beyoncé. Ah. Donc, on a 1 point pour Ariane, 1 point pour Julie. Et personne n'a le. Non. Si je fais ça. T'es des fans ? Ouais. Ah, c'est bon, j'ai le point. Tu m'as bien aidé. J'ai le point quand même. Donc, on a 3 points chacune. Et non, moi j'en ai que 2. Ah oui, c'est vrai. Bah, toi, Julie en a 2, Adèle en a 2 et Ariane en a 3. Ouais, non, en fait, non. Ariane est en train de vous relayer dessus, t'as un tractopelle. C'est à ça qu'on pense quand on voit Ariane. On pense que c'est un Ariane est sur 1m60. Allez, on écoute tout de suite la 4e chanson. Ça va m'énerver, ça. Je sais ce que c'est, mais je suis pas aussi. Capable de nommer. Ah, oui. Oui, moi aussi. Moi, j'avoue, je pense que j'aurais pas trouvé l'artiste. Ça me gratte un côté. Ah, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Oh, c'est une bonne expression, gratter un côté du cerveau. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, ouais, c'est fou. Attends, le refrain est dans pas trop longtemps, on va peut-être l'attendre. Ouais, je l'attends. Ah non. C'était une fausse espoir en fait. Le couplet est beaucoup plus long que ce que je pensais. Ah, c'est hyper frustrant ça. Alors, le nom de l'artiste est un mode de déplacement. Métro. Boulot. Ah, pas loin du métro. Subway. Non. Tramway. Pas loin du tramway. Plane. Train. Ah, c'est train. Ah, j'ai dit plane. Ah, j'ai dit plane. On the radio. Je crois qu'il faut que Noémie ait un point là quand même. Vas-y Noémie, dis-nous. C'est Hey Soul Sister. Et oui. Du coup, il y a 3 points pour Julie, 3 points pour Ariane et 1 point pour Adèle. Non, 2, merde. 2 points. Flûte. Tu peux me répéter le titre parce que j'aurais dit quelque chose mais je ne vois pas l'orthographe. Ça s'écrit comment? Hey comme hey. Soul comme l'âme et sister comme ta sœur. Voilà. Qu'on embrasse fortement. Comme... On embrasse toutes les sœurs. S'appelle Maya. On écoute tout de suite la 5e musique. Là, je passe un bon flux. Si, si. Est-ce que vous voulez déjà des petits indices? Vas-y. Elle a sorti un son de rupture iconique il y a très peu de temps. Ah, bah du coup, c'est Miley Cyrus? Ouais. Ah, 3 points pour Adèle. Waouh!
Personne n'aura le titre. Partie de USA. Ah, j'aurais pas fait ça. On n'a pas eu la même enfance. Hein. Non, mais donc, trois points chacune là. Non, moi j'ai deux. Non, j'ai pas de points. Non, t'as chopé le point de train. Oui. J'avais pas dit plane. Ah bah, j'ai compris. Donc, bah, moins un point, tant pis pour toi. J'ai plus de points que Julie. Oh, ça va, c'est pas très compliqué en vrai. On est la dernière musique. Oh, là, je vais pas l'avoir du tout. Mais par contre, j'ai la voix. Le groupe, vous l'avez. C'est un groupe. Black Eyed Peas. Ouais. Oh. 4 points pour Ariane. Contention 1 pour te donner. Non, vous avez pas. Missing You. Je crois qu'ils vont bientôt le dire. Attends, à chaque fois, les coupés ils sont trop loin. C'est terrible. Et du coup, je parle sur le couplet pour briser le vide. Et je parle sur le refrain. Et du coup, on l'entend pas. Et ça marche jamais. Attends, là. 1, 3, 2, 1. Beat me up. Ouais, ouais. Sors la main, on a le même. Moi, c'est une mauvaise idée. Eh ben, on se check la main. Bon, j'ai 0,5 à Julie et 0,5 à Adèle. Donc, ça fait 3,5 pour Adèle, 2,5 pour Julie, finalement. Et 4 points pour Ariane. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce blind test. Et on écoute un titre, lui aussi sorti en 2019, Listomania de Phoenix.
C'était Listomania de Phoenix sur Hugo Radio. Je suis toujours accompagnée d'Ariane, d'Adèle et de Julie. Et ça balance, c'est grave. Quoi? Listomania de Phoenix, ça balance, c'est grave. J'adore cette musique. Comme toutes les musiques d'aujourd'hui, parce que c'est moi qui les ai choisies. Est-ce que finalement, cette et musique, on peut dire que c'est ton coup de cœur? Transition! Voilà, on va passer à la suite. Il est l'heure de passer au coup de cœur de la rédaction. Alors, je peux introduire si vous voulez. Moi, j'ai été voir Babylone il n'y a pas longtemps au cinéma. Et franchement, c'était vraiment super cool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film avec autant de mise en scène. Ça clinque. Moi, j'avais un peu peur parce que ça dure 3 heures quand même. Mais au final, franchement, on ne s'ennuie pas et c'est très beau. Les Américains n'ont pas aimé. Parce que les Américains sont des gens avec très peu de goût. Créatures étranges qui se nourrissent exclusivement de frites dans le monde. Faut arrêter la stigmatisation en direct. Non mais voilà, je sais pas vous, qu'est-ce qui vous a plu dernièrement? Je sais qu'Adèle, t'as été voir une expo où tu nous as ramené un superbe micro gonflable. Oui. L'expo était bien, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Parce que en fait, moi, si j'ai beaucoup bougé ce week-end, c'est parce que mes parents étaient là. Donc c'est ma seule motivation à sortir, c'est voir mes parents. Mais bref, on s'est un peu baladé, on est allé au centre Pompidou et ma mère, documentaliste même le week-end, est allée à la librairie. Et moi, j'ai vu un livre qui me plaisait, mais elle ne l'a pas acheté pour moi, elle l'a acheté pour ses élèves. Toujours est-il que je lui ai volé. Non, je lui ai emprunté, je lui ramènerai plus tard. Et moi, c'est un livre que je vais vous conseiller, mais un livre, pas le truc lourd à lire. Non, ça s'appelle Design, 40 objets iconiques du quotidien, de Chloé Pitiot, aux éditions BAM. Et donc, ça parle de 40 objets qu'on voit, qu'on connaît, surtout nous qui sommes nés, qui avons grandi dans les années 2000 et même un peu avant. Nos parents, ça parle aussi aux parents. Et c'est juste des objets qui font partie de notre quotidien. C'est les couteaux suisses, les Kawe, le van Volkswagen, les verres qu'on avait quand on était petit à l'école primaire avec notre âge qu'on calculait au fond, enfin qu'on allait voir, qu'on essayait de deviner. Les Duralex, non, c'est ça. Exactement, ouais. Il y a des trucs Duralex, ouais. Et tout ça, en fait, donc le livre présente des illustrations, il nous apprend des petits faits, comment ça a été inventé, en quoi ça a été un objet important et révolutionnaire qui fait partie de notre quotidien. Et le livre est très, très, très bien fait, il se lit très bien. Si vous avez la flemme, vous lisez juste une petite fiche sur un objet, sinon vous pouvez tout dévorer d'un coup. Bref, excellent livre, je le conseille à tout le monde. Ça a l'air très sympa. Et pour ramener ma science, vous savez d'où viennent les numéros au fond des verres d'Alex? Oui, non. C'est les moules. Voilà. Et ben vous l'apprendrez dans le livre. C'est les moules. Il y a 46 moules. En fait, les verres d'Alex, ils sont numérotés de 1 à 46. Donc tu pouvais avoir jusqu'à 46 ans quand tu regardais ton âge. Ah oui, regardez notre âge au fond oui, des verres. Oui, exactement. Ils ont ce numéro parce que il y avait 46 moules en tout. Donc non, bref, c'est en lien, mais c'est en lien avec le moule. Voilà. Ariane, qu'est-ce que c'est toi ton coup de cœur? Bah moi, j'ai regardé un chouette documentaire hier. Bon, j'étais super fatiguée, donc je vous avoue déjà que je me suis endormie à la moitié. Mais le début était très bien. Non, c'était vraiment la fatigue. Mais c'est un documentaire sur Arte, sur les pirates et la piraterie en général. Ouais, incroyable. Et il est super bien fait. Et en fait, ça raconte comment la piraterie, du coup, a pris de l'ampleur. Et qu'en fait, je ne sais pas du coup si je vous spoil totalement, mais qu'en gros, c'est la faute en grande partie des Anglais qui en avaient marre que... On n'aime pas les anglophones, genre. Ouais, il y a les Américains et les Anglais. Un thème de la journée, là. Non, remarque, je crois qu'il y avait les Français aussi qui... Ah. Eux, ils sont bien. Eux, ouais, c'est bien. C'est ça. En gros, qui demandait à des corsaires de, du coup, pirater des bateaux de commerce espagnol et portugais qui avaient, du coup, la main mise sur toutes les Amériques. Et sur, du coup, sur les denrées des Amériques, particulièrement d'Amérique du Sud, sur l'or. Et donc, ça raconte que ces corsaires, après, ils n'ont plus eu de travail et que, du coup, ils sont tombés dans la piraterie. Très bien, bah c'est très intéressant. Ouais. Les documentaires d'Arte, de toute façon, sont toujours incroyables. Arte, c'est ouais. Les documentaires, c'est la vie. Et puis en plus, après, tu peux briller en société en disant l'autre fois, je regardais un documentaire sur Arte. Mais non, on a que des gens qui ont fait des études sup autour de la table. Arte. Non, mais ce qui est mieux, c'est de ne pas dire que tu as vu sur un documentaire et de juste sortir ça comme ça, comme si tu le savais depuis que t'étais née. Et après, quand on te demande tes sources, t'es implacable. Tu sais, là, documentaire sur Arte. Et là, il n'y a plus personne qui peut te dire quoi que ce soit.
Et pour conclure, Julie, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Moi j'ai été malade pendant plusieurs jours et j'avais vraiment le moral dans les chaussettes, ça se dit, hein, dans les chaussettes. Ah, oui, c'est vraiment, j'étais dans les chaussures et du coup, j'étais assise sur mon canapé et j'écoutais des podcasts en fixant ma table. Et du coup, j'ai découvert un super podcast sur France Culture qui s'appelle Comment sauver l'amour et qui est absolument génial. J'en ai pris connaissance sur Instagram et après, du coup, je suis allée dévorer tout leur podcast. Et c'est génial, c'est une manière de mettre en perspective avec tout ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, etc., et la libération de la parole, tous les problèmes en fait, qu'il peut y avoir dans des couples hétérosexuels. Tous les problèmes de dynamique de genre, de rapport de force, etc. Et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait refonder l'amour hétérosexuel dans le couple sans que la femme soit complètement écrasée par l'homme. Et donc c'est génial, ça parle d'amour toxique, mais ça parle aussi de rupture amoureuse, ça parle de douleur dans les ruptures amoureuses, mais pas que pour les femmes, pour les hommes aussi, ça parle de polyamour, enfin ça parle de 30 000 trucs et c'est vraiment génial. Oui, j'en ai entendu parler aussi. J'ai pas encore eu l'occasion d'écouter, mais c'est vrai que ça a l'air très sympa. Ça a l'air super sympa. Ça fait penser au podcast de Binge Audio, Le cœur sur la table. Oui. Victoire Tuyon, si tu nous écoutes. On a un autre coup de cœur de Julie. On en a en stock. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos jolies recommandations. Et on écoute tout de suite Take My Time de Skin Shape sur Hugo Radio. Connaître toute l'actu du 12e arrondissement ? Retrouvez du lundi au vendredi votre nouveau rendez-vous, le 12 en 2 heures. De 16h à 18h, toute la vie du 12e en direct avec vous. Infos, météo, trafic, bons plans, reportages, invités et vos coups de cœur du 12e arrondissement. Le 12 en 2 heures, du lundi au vendredi, 16h-18h, en direct sur Hugo Radio.
la radio du 12e. C'était Take My Time de Skinship sur Ugop Radio et on se retrouve tout de suite pour la carte blanche de Julie. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes en train de vous balader sur Instagram. Peut-être que c'est le matin et que vous venez d'ouvrir les yeux. Votre premier réflexe, ouvrez votre téléphone, regardez vos notifications, puis allez directement sur vos réseaux sociaux. Vous ne voyez pas forcément le temps passer. Parfois, 2 minutes peuvent sembler durer 2 heures ou vous abrutissent comme si cela faisait 2 heures que vous y étiez. Et à d'autres moments, vous regardez l'heure et vous réalisez que cela fait déjà 45 minutes que vous êtes réveillé. Peut-être aussi que vous vous ennuyez, vous êtes seul chez vous, vous ne savez pas quoi faire et vos pensées tournent en rond. Alors vous allez vous poser quelque part et vous vous plongez dans vos réseaux afin de décider de ce que vous allez faire ensuite. Problème, votre feed Insta est infini. À peine une vidéo est-elle terminée qu'une autre prend la relève et quand vous en avez marre, vous avez encore moins d'inspiration, d'envie ou d'énergie de faire autre chose. Ou alors, troisième possibilité, vous êtes en train d'attendre un ami qui est en retard, vous regardez un peu autour de vous, les gens qui passent, vous écoutez vite fait les conversations des autres, puis sans même avoir le temps de vous en rendre compte, vos écouteurs sont mis et vos yeux sont à nouveau rivés sur votre écran. Quand votre amie arrive enfin et qu'elle vous salue, vous avez presque l'impression d'être réveillé d'un rêve plat, un peu irréel, soudainement ramené brutalement à la réalité. Bon, après, pour démystifier un peu les choses, vous êtes peut-être juste sur vos toilettes, dans le déni de la suite de votre journée et de la quantité de choses qu'il vous reste à faire. Mais bon, dans tous les cas, les exemples que je vous ai cités sont des exemples du quotidien, de l'intimité, qui peuvent se produire absolument partout, depuis l'espace le plus privé qui soit, les toilettes, jusqu'à l'espace public. Je vous invite d'ailleurs à regarder autour de vous la prochaine fois que vous prenez le métro et à compter le nombre de personnes qui ne sont pas sur leur téléphone. Vous verrez, cela vous prendra que très peu de temps. Je pense en effet que nous sommes presque tous concernés par ces habitudes, ou en tout cas que nous sommes de plus en plus nombreux. Tous les vides de ma vie aujourd'hui sont comblés par le téléphone. Mais je n'aime pas tant que ça être dessus, alors j'essaye de m'occuper le plus possible pour ne pas me retrouver dans une situation où je me sentirais presque obligée, comme attirée par un aimant, de l'utiliser. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas faits pour être 100% du temps actifs. Nous avons toujours des moments de latence dans nos journées, nos soirées, nos nuits. Et c'est à notre éternelle peur, terreur du vide qu'Apple, Samsung, Huawei et tant d'autres ont su répondre. Le vide, l'ennui où nos pensées s'enfuient, nous échappent et où parfois, par miracle, des idées nous viennent, sont maintenant contrôlées, canalisées par nos portables. Ce qui constituait nos moments d'intimité et d'absence les plus singuliers, propres à chacun, est devenu ce qu'il y a de plus banal, de plus commun à tous. Mais il s'agit quand même de nuancer un peu. Certaines personnes réussissent à trouver leur équilibre et à prendre du recul, dans une certaine mesure. D'autres n'ont pas cette chance-là. Quand pour les uns, les réseaux sociaux constituent une habitude plus ou moins prenante, d'autres personnes tombent dans une profonde addiction qui peut avoir pour conséquence un isolement social, un sentiment d'échec qui se traduit par une très basse estime de soi, une apathie, de l'anxiété sociale, et j'en passe. Et ce n'est pas simplement les réseaux sociaux, cela peut aussi être le support du portable en lui-même. Ce petit objet qui nous met en relation avec le monde peut aussi nous en séparer. Il apporte un sentiment de confort, de sécurité, nous anesthésie et nous évite d'avoir à vivre nos propres émotions. Mais en France, comme dans le monde, la société, les gouvernements et même un grand nombre de médecins ont du mal à accepter que les téléphones portables puissent être perçus comme une véritable addiction au même titre que tant d'autres, tels la cigarette, l'alcool, les jeux, etc. Pendant longtemps, la nomophobie, c'est-à-dire la peur de se retrouver sans téléphone portable, réduisait ce phénomène à une simple peur de ne pas pouvoir communiquer ou répondre aux messages. Mais c'était sans prendre en compte qu'aujourd'hui, l'usage du portable dépasse de très loin son but initial, la communication. Les psychologues, souvent, ne sont pas formés à cette question. J'ai même fait un petit test récemment et j'ai cherché sur Google s'il existait des groupes de parole pour les personnes addictes à leur portable, mais sans succès. Il y a des groupes pour les addictions, évidemment, indifférenciés, mais pas de groupe spécifique à celle-ci, alors que c'est une addiction très particulière, parce que ce n'est pas une addiction avec des conséquences forcément physiques, tout est psychologique, en fait. Pourtant, la réalité est tout à fait préoccupante. Aujourd'hui, les 15-24 ans passent en moyenne 3h40 sur leur téléphone par jour. Selon un sondage de l'IFOP, 78% des adolescents seraient dépendants à ce support. Et par ailleurs, chiffre qui date de 2020, donc d'il y a 3 ans, ça a dû changer depuis, l'âge moyen du premier téléphone portable serait désormais à 9 ans. Mais alors pourquoi sommes-nous si dépendants à nos portables et plus particulièrement aux réseaux sociaux auxquels ils nous permettent d'accéder en toute situation? Je parlais d'Instagram tout à l'heure, mais c'est parce que je n'ai jamais installé TikTok, parce que justement j'avais pas envie de développer une addiction en plus. Et pourtant TikTok, le plus populaire chez les jeunes et qui divertit 12% de la population mondiale, soit 1 milliard de personnes, semble maîtriser mieux que tous cette addiction qu'il provoque volontairement chez ses utilisateurs. Mais comment fait-il ?
TikTok cumule deux émotions, deux réflexes humains qui peuvent provoquer des addictions. D'une part, le hasard, donc l'espoir que l'on retrouve dans les jeux d'argent, par exemple. Et d'autre part, l'habitude, par exemple dans l'addiction à l'alcool ou à la cigarette. L'algorithme fait en sorte que vous ne sortiez jamais d'une certaine zone de confort et de votre prédisposition initiale, même que vous vous y enfonciez encore toujours davantage, mais en même temps présente à vos yeux un contenu à chaque fois différent, que vous ne choisissez pas, que vous ne pouvez pas prévoir. Le cerveau en redemande donc encore et encore. Cela peut mener à une détérioration définitive de votre cortex préfrontal qui éprouve les émotions, libère l'énergie nécessaire à votre motivation ou encore forme votre mémoire. Oui, en effet, cette zone-là du cerveau ne finit son développement qu'à l'âge de 25 ans. Pour en savoir plus, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Léo Duff intitulée « Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération ». Youhou ! Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes bon courage. Et sérieusement, si vous vous sentez isolé, enfermé ou impuissant, parlez-en autour de vous. Le tabou est encore présent, mais je pense que plus on en discutera, moins les jeunes souffrant de cette addiction seront considérés comme des fainéants ou des bons à rien. Eh bien, merci Julie pour cette chronique. Et maintenant, on va tous lancer nos téléphones par la fenêtre. Non, mais moi, si, ça va. Julie, tu commences. Non, ouais. Si Ariane lance son téléphone sur un de nos visages, je pense qu'on meurt. Finit à l'hôpital. Parce que oui, vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas forcément l'image, mais Ariane a perdu son téléphone. Alors maintenant, elle a les vieux téléphones, genre, mais c'est les Nokia, quoi. Enfin, celui avec... où tu dois appuyer trois fois sur la même touche pour avoir exactement une lettre. Exactement. Voilà, donc, ça. Il est assez légendaire, il est très beau, très, très sobre, mais la vache tapée mais des SMS. Mais ça fait du bien, justement. Mais oui, effectivement. Mais moi, ça me donne envie de revenir à les téléphones à clapper. J'ai trop envie d'avoir un téléphone. Mais à chaque fois, tu vois, que classe. Je me dis, tu sais, quand j'ai vu la vidéo, du coup, de Léo Duff sur TikTok, parce qu'elle est beaucoup plus inquiétante que ce que j'ai dit, moi, j'ai vraiment essayé de pas être trop catastrophiste. En fait, j'ai vraiment eu la pulsion de je vais supprimer Instagram. Je me dis, oui, mais si je supprime Instagram, du coup, je verrai pas les posts du Hop Radio. Moi, j'ai envie de développer mon podcast. Donc, du coup, comment je fais pour avoir une petite audience si j'ai pas Instagram pour promouvoir mon projet? Et en fait, tout commence à être lié aux réseaux sociaux, quoi. Si je peux te donner un conseil, tu peux avoir Instagram sur ton ordinateur. J'arrive jamais. Moi, j'utilise beaucoup sur l'ordi. Ouais. Te canaliser, justement, tu vois. Ouais, peut-être sur l'ordinateur, ouais. Surtout sur l'ordi, l'interface pour voir les réels, donc ce qui est quand même le truc le plus addictif sur Instagram, est pourrie. Ouais. Donc tu n'as vraiment pas envie de passer du temps dessus. Oui, c'est pas le shot de dopamine que tu reçois, en fait, quand tu fais... Swipe vers le haut avec TikTok. Alors que là, tu regardes tes stories tranquille, ça passe, tu peux répondre à tes messages comme tu veux, t'écris trois fois plus rapidement parce que c'est avec un clavier. Donc c'est full bénef. Et en plus, t'es pas aspiré par les Reels. Le bon conseil de la rédac du Gup. Mais je retiens. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique. Et c'est déjà l'heure de se quitter. Déjà l'heure avec 5 minutes de retard, mais c'est pas grave. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à la Chorba de s'être déplacée jusqu'à nous. Merci à l'équipe, Théo et Hugo au son, ainsi qu'à Thomas et Maxime à l'image. Car l'émission ne serait rien sans eux. On se retrouve vendredi à la même heure pour votre émission incontournable, le 12 en 2 heures, où on recevra le groupe de musique Télégraphe. C'était Noémie accompagnée de Julie, Ariane et Adèle. Bonne soirée, on se quitte sur Jalousie de Michael Franks. Bisous. Big Up Radio vous présente le 12 en 2 heures.